Bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, à la demande de Jeanne, je vais m'intéresser à Sébastien Delogu. Voir sa carrière politique, comment va-t-il évoluer à l'avenir La raison qui pousse Jeanne à me demander ce tirage, eh bien, c'est un article qu'elle a vu, qu'elle a découvert et qui parle de ses relations avec sa suppléante au poste de député. Sa suppléante se nomme Farida Amadi. Et Sébastien Delegu a eu cette phrase pour elle ⁇ J'avais besoin de toi, je t'ai eu, c'est la vie ⁇ Alors bien sûr, il faut le remettre dans le cadre de cette phrase, en réalité, d'après l'article, il semblerait que Sébastien Delegu ait utilisé l'origine ethnique de Farida, ses origines musulmanes en réalité, hein, afin de pouvoir gagner des voix. Et c'est ce qui fait un petit peu réagir Jeanne. Alors ce que je vous propose, eh bien, c'est de regarder quelle va être l'évolution politique de Sébastien Delogu dans les dix années à venir. Dix ans parce que ça permet de couvrir plusieurs mandats. Ça permet aussi d'avoir une échéance longue, parce que la voyance pour dire ce qui va se passer demain, c'est pas trop mon truc. J'avoue que l'intérêt est très moyen, en tout cas sur des questions par exemple comme celle-ci, politique, et que l'idée est vraiment de voir eh bien, si, euh, si, ce, si ce personnage aura d'autres euh, mandats, s'il va continuer sa carrière politique. Pour information, j'ai fait quelques petites recherches hein, sur Wikipédia. Donc, vous voyez, c'est très, très succinct. J'ai vu que c'était un ancien syndicaliste, chauffeur de taxi. Il a exercé plusieurs métiers. Donc maintenant, il est député. Peut-être est-ce qu'il va retourner euh, dans, la, dans la vie privée, quoi. Ou pas. Alors, regardons. En tout cas, on voit avec cette carte beauté qu'il souhaite donner une image de lui. C'est vraiment l'idée de travailler sur son image. Alors le travail sur l'image, eh bien, si on regarde, c'est quand même l'idée de ce qui se passe dans l'article, hein, euh, dans l'article que Jeanne m'a transmis. Parce que oui, il travaille son image pour être élu. Remarquez, il n'est pas le seul. C'est le travail d'un politicien. Et vous voyez, qu'on partage ou pas ses opinions et sa façon de, de faire et sa façon d'être, il se tient comme la plupart des politiciens, c'est-à-dire qu'il aime être dans une forme de paraître et il souhaite être apprécié. Il souhaite, alors bien sûr, comme tous les politiciens, vous voyez, la voyance, il faut toujours que ça reste neutre et lucide. Comme tous les politiciens, il souhaite donner une image pour être apprécié en fonction des électeurs qu'il souhaite toucher. Aucun politicien ne touchera 100% d'électeurs de façon positive. Donc il fait bien appel à certains ressorts pour pouvoir obtenir des voix, pour pouvoir obtenir un poste. C'est ce qu'il a arrivé à faire pour être député. Je crois que c'est député de Marseille. Encore je crois que c'est dans une circonscription, euh, mais ça on trouve très facilement sur Internet. Alors ce qui va aller contre la carrière politique de Sébastien de logu Si vous remarquez, nous avons deux cartes qui sont des cartes jupitériennes. Jupiter, dans l'oracle de Béline, c'est l'expansion. C'est ce qui prend de l'ampleur. C'est aussi une forme de continuité, jour après jour, semaine après semaine, année après année. Et là l'oracle lui reproche de ne pas assez faire preuve de sagesse de ne pas assez tempérer ses propos. C'est ce que l'on peut voir et découvrir à travers l'article. Hein. Et puis bon, on, on, sera, on se souvient du fait qu'il n'ait pas voulu serrer la main de ce jeune député du Rassemblement national. Vous voyez, tout ça, ce sont des actions, ce sont des manques de réflexion que l'oracle lui reproche. Et si l'oracle reproche à Sébastien de Logu de ne pas assez réfléchir, ni avant de parler, ni avant d'agir, c'est que ça va finir par lui poser souci. En tout cas, on peut le penser. Quel est le conseil de l'oracle C'est un conseil mercurien. Je vous le montre de près et dans le bon sens. C'est la carte changement. Ce qui montre que quelque part, L'oracle reproche là aussi sa façon d'être à Sébastien Delogu. De changer, il lui conseille de changer son mode de communication. Peut-être de faire preuve d'humilité, de bienséance. Tout ce que l'on peut voir à travers les images, l'oracle lui conseille de faire le contraire. Ça montre bien qu'il n'est pas dans une bonne voie pour faire carrière politique. Et que là, quelque part, l'oracle est en train de lui dire, si tu veux faire une carrière politique, il va falloir changer, te comporter autrement. Ce qui est intéressant avec le tirage en croix, c'est de toujours regarder ces deux cartes-là. Le conseil est ce qui est reproché à l'objet du tirage. Là, en l'occurrence, un député. On lui reproche de ne pas réfléchir. De ne pas assez penser dans l'optique d'une carrière politique. Attention, hein, ce n'est pas autre chose. La voyance, c'est toujours rester neutre. Hein, ce n'est pas de dire on apprécie ou on n'apprécie pas une personne. Ici, on lui conseille de changer de comportement. Au passage, on lui conseillerait presque aussi de changer de parti politique. Mais ça, c'est une autre affaire. Mais ça sous-entend quand même que, puisqu'il fait partie de la France insoumise, ce parti pourrait bien connaître des déboires à l'avenir. On l'a vu en 2022, on l'a vu en 2024, même si le nouveau Front Populaire a gagné en nombre d'électeurs, la France insoumise, elle, n'a pas progressé. Alors c'est intéressant parce que je vous explique la démarche. Hein, euh, il s'agit de voir un député qui fait partie de la France insoumise. Si on lui conseille de changer de parti politique, d'aller par exemple, je ne sais pas, au Parti socialiste, eh bien, c'est que et puis ou peu importe hein, d'ailleurs, c'est quand même que la France insoumise quelque part a dû hypothéquer son avenir politique aussi. On pourrait y revenir. Hein. J'avais fait quelques vidéos sur la France insoumise, sur le sur ce qui se passe à gauche. Vous pouvez les retrouver. Dans la playlist politique française, hein, vous regardez à partir d'un ordinateur, c'est bien plus simple. À partir d'un téléphone, l'interface n'est pas terrible. Surtout pour les recherches. Mais à partir d'un ordinateur, c'est très simple. Et vous pourriez découvrir eh bien, ce qui s'est passé un petit peu à gauche. En tout cas là, on lui conseille très clairement de sortir de ce parti et de changer son comportement. Parce que son comportement pose problème pour une carrière politique. D'ailleurs, la carrière politique, regardez, toute la ligne est à nouveau jupitérienne, donc une forme de continuité, il ne va pas modifier ni son comportement ni la façon d'agir. Par contre, avec la carte hasard, elle nous montre quand même une certaine forme d'opportunité. À, à, à la fois plutôt, pardon, dans son choix politique, mais aussi vis-à-vis -vis des personnes qui l'entourent. Et là, on revoit le problème avec sa suppléante, où là, c'est quelqu'un qui n'hésitera pas à utiliser telle ou telle personne tant que ça pourra lui rapporter des voix, un poste. Donc, nous sommes vraiment sur, on va dire, un opportuniste. Par contre, sa fin de carrière politique, enfin, sa carrière politique va connaître. Euh, pour moi, un gros problème, nous avons une carte martienne, nous avons la carte du feu. Euh, on a l'impression que sous la flamme de la République, il pourrait bien y avoir une forme d'affrontement. Mais on n'est pas sur de l'affrontement verbal. Nous aurions pour parler, par exemple, comme carte. Euh, là, on est plutôt sur quelque chose de physique. Alors, ça peut paraître étonnant. Et j'ai envie d'en savoir un petit peu plus, comme vous certainement. Et je me demande quelles seront les circonstances où cela va-t-il se passer. On y voit ici une flamme. On peut se penser ce que c'est la flamme olympique. Alors déjà, on pourrait se demander à quoi va être due cette agression parce que là il y a une agression. Vous voyez deux personnes qui s'agressent. Une des deux, c'est Sébastien Delogu. Ça ne nous dit pas quand. Mais regardons déjà, dans un premier temps, pourquoi un affrontement, pourquoi en venir aux mains. C'est pour une prise de position. Vous voyez, on lui reproche quelque chose au niveau d'une prise de position, quelque chose qu'il continue d'avoir. Bien sûr, quand on regarde un tout petit peu l'actualité, on peut se dire, c'est par rapport à ses prises de position sur la Palestine. D'ailleurs, tout semble le montrer. C'est quelque chose qu'il a déjà eu comme prise de position, et nul doute qu'il va continuer à prendre ses positions sur la Palestine. On l'a déjà vu agiter le, le drapeau palestinien à plusieurs reprises. Et on peut se demander qui va venir l'affronter, qui va venir aux mains vis-à-vis -vis de Sébastien Delegu. Curieusement, c'est même plus important que je ne pensais, non seulement c'est de l'affrontement, mais on dirait même que la personne... Vient pour essayer de l'abattre. Il y a une forme de tentative de meurtre. Mais regardez, nous avons une indication de temps. Ce n'est pas tout de suite. Nous sommes sur du saturnien. Saturne, comme je vous l'explique, c'est toujours ce qui sera long à venir. Nous sommes dans une projection du temps. Combien de temps C'est toujours difficile à dire. Je vous avoue que pour moi, en tout cas, ce n'est pas dans les mois qui viennent. Nous sommes peut-être autour de deux ans, un an et demi, deux ans. Mais quelqu'un qui vient pour vraiment... Euh... Moi, j'ai l'idée de quelqu'un qui vient vraiment parce qu'il parce qu ne supporte plus les prises de position de ce député. Et quelque part, vous voyez, ça ne le disait pas tout à l'heure, mais ça correspond à quelque chose où ce député ira trop loin dans ses déclarations. Lui, en tout cas, vient la ferme, avec la ferme intention euh, d'en finir avec Sébastien Delogu, d'attenter à sa vie, par rapport à des prises de position. À quel endroit se passera-t-il ce, cette altercation Alors si on regarde, ça nous donne plusieurs indications. Quand il aura changé de cercle, ça veut dire que quelque part, Sébastien Delegu, à un moment, ne va plus être élu député. Je dirais que pour rester large, nous sommes en 2024, je dirais entre maintenant et 2027. Je préfère toujours donner une fourchette large euh, parce que c'est très difficile à percevoir le temps. Vous voyez ici, je vous ai donné un an et demi, deux ans, nous serions en 2025-2026, on, on tourne dans ces années qui arrivent. Mais c'est un moment où il, ne, il va perdre son poste de député. Carte volpère par rapport à un cercle, le cercle qui est donné par Mercure. En perdant ce poste de député, il continuera à prendre des prises de position qui vont bien sûr déplaire. Et quelqu'un viendra s'attaquer à lui. Alors ça ne nous dit pas vraiment où, mais j'ai le sentiment qu'on est quand même quelque part non loin de l'Assemblée nationale, pas dedans, c'est vrai, mais pas très loin de l'Assemblée nationale. et c'est là que va tout, tout va se passer. Voilà, ça marque un terme pour cette vidéo d'aujourd'hui. Alors, si la vidéo vous a plu, vous connaissez un petit peu ce que je vais vous demander, partagez-la, diffusez-la, levez le pouce. Il ne s'agit pas, bien sûr, dans les vidéos de voyance de dire nous sommes pour un tel ou contre une telle personne. C'est toujours de rester neutre, je vous le rappelle de grâce restez neutre dans vos commentaires et vos tirages vous pouvez vous exprimer je supprime très peu très peu de, de, de commentaires sauf ceux qui vont trop loin essayez toujours de mesurer vos propos mais dites ce que vous avez à dire par contre je vous encourage fortement à donner votre avis je vous donne rendez vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo